J'ai vraiment l'impression que, j'allais dire, enfin, le temps des femmes est en train d'arriver. Et je crois que la reconnaissance de la place qui doit être faite et aussi des progressions de carrière qui doivent être ménagées, favorisées, et bien cette reconnaissance, elle est vraiment là maintenant. Par exemple, aux Échos, les rédactions sont largement féminisées, mais il n'y avait pas au sommet en fait des rédactions, dans les fonctions de direction principales, une véritable parité. J'ai pensé qu'on pouvait se dire bon, on se donne quelques années et on va au gré des nominations de façon souple et en même temps volontariste le faire. Elles m'ont dit oui, mais ça on l'avait déjà dit il y a quelques années en fait, et il faut être plus encore volontariste, il faut être encadré par des objectifs chiffrés. On s'est inscrit dans cette démarche-là, voilà, c'est comme ça que l'accord est arrivé, après pas mal de temps d'ailleurs, évidemment, de discussions et négociations. Et maintenant, on a des objectifs chiffrés qu'on doit atteindre, et donc on a pas simplement la bonne volonté, mais une bonne volonté encadrée, une programmation assez forte.